to your favorite modern world. Noël me remettant à peine d'une gueule de bois, j'ai écouté No Longer in Pain du groupe polonais Death Yard. Si la pop atmosphérique avait régné en 2023, j'avais envie de terminer l'année de manière plus musclée, on va dire. Le Quatuor de Varsovie sortait le 6 décembre son second album de Death Heavy Prog Metal après un nettement moins subtil Creation of the Universe en 2019. Jeunesse oblige. Le groupe joue de guitare, basse et batterie assez classique pour le genre, mais la voix de Chris Hoefler, également chanteur du groupe de thrash metal Popior, fait la différence. L'album 8 titres, riche en arrangements, ne dure que 38 minutes avec des pièces allant de 3 à 7 minutes. Si la musique du groupe est assez classique dans l'ensemble, quelques titres nous réservent de belles surprises comme l'ouverture à la guitare de Mirror ou bien les tonalités andalouses orientales de Redemption ou Inner Eye. Mais c'est vraiment la voix de Chris qui impose un style ici. Chaude et grave sur Mirror, hargneuse et douce sur Source of Life, granuleuse sur Awakening, elle se fait heavy à la manière de Geoff Tate dans Demons from the Past. D'ailleurs, sur ce dernier morceau, Death Yard m'a fait beaucoup penser à Operation Mindcrime. Son aspect narratif, les guitares et bien entendu, le chant. Mais j'avoue que j'entends un peu partout des emprunts à ce concept album culte qui pour moi est un des piliers du genre. Ne vous y trompez pas quand même, Death Yard s'est montré l'écrou. Des morceaux comme Source of Life et Unleashed Inside le montre bien avec la double pédale qui répond à des guitares, on ne peut plus agressive. Après tout, le groupe se réclame tout de même de la mouvance Death Heavy Metal, même s'il donne également dans le mélodique. Il n'y a qu'à écouter le premier album pour s'en convaincre. Alors j'ai tout de même une préférence pour les morceaux qui tabassent un peu moins, comme Mirror, Demons from the Past, Redemption, Inner Eye ou Awakening. Mais les accélérations donnent une sacrée dynamique à l'album et je ne boude pas mon plaisir sur un Source of Life par exemple. De tous les morceaux de l'album, j'ai quand même un petit chouchou. Le Demons from the Past, un peu moins de 6 minutes qui me font furieusement penser aux belles années de Queensryche. Le dernier album de Death Yard mérite la découverte et plus si affinité. Dommage qu'il soit édité en CD boîtier cristal. Je me contenterai de la version digitale sur Bandcamp en attendant peut-être une éventuelle édition vinyle. C'est fini pour cette semaine, on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle découverte. Comme toujours, vous pouvez cliquer sur le pouce si vous avez aimé cette chronique et si vous voulez suivre les prochaines, eh bien abonnez-vous. Gros bisous !